vendredi et comme à l'accoutumée, nous nous apprêtons à reconnaître et célébrer talent, mérite et prouesse. Mais attention, attention, car dans ce numéro, chaque détail compte. Bienvenue encore. Que ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas l'information, qui ne connaissent pas l'identité de notre invité vont se poser des questions. Mais qui vient aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe à ces midis aujourd'hui? Et voilà, à ces midis, nous allons recevoir un jeune homme et non des moindres. Il n'a que 23 ans. Je n'en dis pas plus. Il y a des jeunes hommes aussi talentueux sur ce plateau. Merci de les applaudir. Jean-Michel Aumard, merci d'applaudir. Michel, ça va? Ça va très bien, Caroline. Ouais. Merci, merci à toute cette belle énergie, cette belle jeunesse. Ça fait rêver, ça donne du peps. Wow. Merci beaucoup, franchement, c'est sympa. Franchement, ça vous l'avez dit. Et en ce qui concerne la go du futur. Bonjour, Caroline. Bonjour, alors, ma chérie. Belle semaine pour moi. Aujourd'hui, je suis tellement impatiente de rencontrer cet invité pétri de talent. Si. Comme on le dit, déjà aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Tout et donc voilà. Tout J'ai la nette impression que vous avez sensiblement le même âge. Enfin. À la télé. Oui, on a le même âge. Mais bon, d'accord, je ne suis pas d'accord. Encore. Si vous ne connaissiez pas l'âge de Marie-Paul, eh bien, vous le connaissez maintenant. Moi, je connais son âge. Grâce à mon indiscrétion. Et vous, vous connaissiez son âge? Je connais son âge. C'est vrai? Oui, elle a 6 ans. 504 ans. Non, attends, je vais plus, je vois. Attends, comme ça? Alors, vous avez peur de quoi? J'ai 23 ans. Mais là, je suis inquiet. Inquiet. Elle attend impatiemment l'invité. Moi qui suis à côté, franchement, je ne suis pas beau aussi. Comment vous pouvez attendre quelqu'un qui vient d'ailleurs alors que... Comment? Je vous demande un mariage. Ouh. Je suis choquée. Mais on va régler tout ça après parce qu'on est obligé de la faire, cette émission. Eh bien, chers téléspectateurs, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir l'auteur d'une révolution cinématographique. Eh bien, ses vidéos comptabilisent des millions et des millions de vues sur Internet. Et on a même l'impression que ces vidéos sont des événements vitaux. Tout le monde est en attente. Aujourd'hui, on ne parle que de lui. C'est la coqueluche, la nouvelle coqueluche de Facebook. Mesdames et messieurs... Malheureusement, il n'a pas pu venir. Willem est avec nous!
J'attends que les esprits se calment pour démarrer cette émission. C'est bon, c'est bon. Ça va, ça peut aller. S'il vous plaît. S'il vous plaît, le service médical, on ne l'a pas prévu. Donc pardonnez, contenez-vous s'il vous plaît. Et voilà, on est très très heureux de recevoir ce monstre de l'innovation cinématographique. Le jeune Willem est avec nous, il est sur ce plateau. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue à ce midi. 20 foules. Ça c'est votre quotidien? Non. Ce genre de bain de foule? Non, 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 non. Il n'y a qu'à Abidjan que j'ai vu ça pour l'instant. Non, d'ailleurs, c'est mon premier plateau télé. Ah. Ouais, tout premier. Et Abidjan, on n'est vraiment pas hypocrite. Et on a cette habitude-là. On est un pays très hospitalier. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Et voilà, on démontre toujours notre amour. Et c'est ce qui vient d'être fait. Willem, Abidjan vous aime. La c'est Côte gentil. D'Ivoire vous aime. Les Ivoiriens vous adorent. Gentil, pour le travail. Merci d'être là. Une de ces vidéos l'année dernière aurait dépassé la barre de 60 millions de vues. On en saura davantage, mesdames et messieurs. Mais avant, il va se prêter au jeu. Avant de venir, on vous a forcément informé. Info ou intox, nous, on ramasse les informations, okay. Ça et là. Et grâce à vous, on essaie de savoir si elles sont avérées ou pas. Okay. Voilà. Alors, la première vidéo de Willem aurait été tournée à 20 euros. Info ou intox? Intox. Intox, c'est pas exactement ça. Intox, c'est la friend zone qui a été tournée à 20 euros. À 20 euros, ouais. Pas la première vidéo. Ouais, pas la première ça vidéo. Marche. Alors... Willem serait, comment je peux le dire, un être un peu versatile, à la fois doux et extraverti. C'est vrai qu'il info. Est mystérieux. Info, info. Il ne veut pas qu'on le découvre. Info, info. Info, d'accord. Je ne suis pas très extraverti, mais ça m'arrive de l'être. Quand, mm-hmm. Ouais. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. D'accord. Alors, votre plus grand défaut. Ta-da ! On est dans le film, là. Serait le retard. Info. Info comme jamais. Ou un tout. Info, info. Ouais. Heureusement, on a eu la chance. Il paraît que quand on a besoin de Willem à 11h, il faut lui dire qu'on a besoin de vous à 10h. Ouais, j'ai un problème avec le retard. Ben, d'ailleurs, mes vidéos, je crois que je les poste avec 2-3 heures de retard. Merci en tout cas. On est très heureux. Et vous connaissez bien le principe de cette émission. Nous vous invitons pour vous témoigner. Que nous sommes reconnaissants de votre travail, de votre mérite, de votre talent. Et c'est ce que nous allons essayer de faire durant toute cette émission. Alors, allons-y tout de suite pour la compile. Vous savez ce que c'est? Non. Monsieur le professeur Guillaume Détaliès, bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler... Comment sortir de la friendzone? Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui, lui ou elle, vous considère comme un véritable ami. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Non mais je suis pas d'accord. Enfin, la friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Chloé. Et cette Chloé vous a friendzoné? Ouais. D'accord. Prenons cette fille, par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez? Peu importe. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites? Je sais pas... Ne réfléchissez pas. Qu'est-ce que vous lui dites? Ok. Salut, je m'appelle Willem. Après, je lui ferai un compliment. J'essaierai de flirter, être drôle. Et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son amie. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah ben là, c'est facile, j'y vais, tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu, comme un pote. Cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A? Ou comme avec la fille B? Vous voyez, elle ne vous a pas friendzonné. C'est vous qui l'avez fait. Pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. Je vous écoute, mon enfant. Oh, vous savez, la liste est longue. Nous avons tout notre temps. J'ai volé. Ce n'est pas grave, vous savez. J'ai tué. Les voix du Seigneur sur ta pénétrale. J'ai trompé ma... Quoi? Réponds ce que tu viens de dire là? Attends, B.
bébé, c'est toi. Non mais t'es sérieux, t'as dit quoi? Répète, attends. C'est la maison du Seigneur, c'est la maison du Seigneur. Il faut que je trouve une diversion. Mais oui, mon téléphone. J'ai qu'à faire semblant de recevoir un texto mignon. Elle va forcément vouloir savoir qui me l'a envoyé. Et ça occupera sa jalousie. C'est risqué, mais ça peut marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ouais. Mais dis-moi qui c'est. Non, juste ça. De qui? Maintenant, et si je trouvais une seconde diversion pour pouvoir regarder cette fille passer tranquillement? Un homme armé et quatre otages, monsieur. On l'a vu du film. Okay. Bon travail, Jean-Pierre. Inspecteur William à l'appareil. Vous avez 30 minutes. Vous avez 30 minutes pour me virer 5 millions d'euros sur mon compte. Une minute de plus et les quatre otages seront morts. Vous m'avez bien compris, inspecteur. Écoute-moi bien, mon petit. T'es dans ma ville, t'es dans mon secteur. Et dans mon secteur, on ne négocie pas avec les lâches. Non, je suis pas un lâche. Si, t'es un lâche. Monsieur, je crois qu'ils viennent d'abattre un otage. Un lâche. Bah tu vois, t'es un lâche, mon gars, t'es un lâche. Tu m'as dit que tu tuerais tous les otages. Monsieur, il vient de tuer tous les otages. Bah voilà. Plus d'otages, plus de chantage, donc plus de prise d'otages. Vous pouvez le coffrer. Bonjour, excusez-moi, je trouve plus mon téléphone. Vous pouvez me biper, s'il vous plaît? Voilà, mon numéro c'est le 06. Parfait, je t'appelle ce soir. Yeah, yeah man. Ces vidéos sont impressionnantes, elles sont à la fois drôles, intelligentes et impressionnantes, j'ai envie de dire, ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Et quand on sait que c'est tourné à l'iPhone, on s'est dit franchement, ce jeune homme, un surdoué? Oui. Non, beaucoup de travail je pense, beaucoup de travail. Alors justement, je vous pose la question de savoir dans quelles conditions vous tournez avant. Est-ce que vous vous faites entourer de détecteurs, de police, de psychologues, d'une équipe solide pour avoir... Oui, pourquoi non, non. Pas non, non, c'est vraiment, j'écris, je réalise et je monte tout seul. Ouais, j'ai aussi ma petite équipe qui me suit depuis très longtemps maintenant. On est 2-3 personnes. Ils m'aident à filmer, à organiser le tournage, tout ça. Mais ça reste à l'iPhone, ça reste assez modeste. Et c'est une volonté personnelle, ces énigmes, l'iPhone, tout les ça énigmes. Non, parce que ça me plaît, j'aime bien tout ce qui est un peu mystérieux, tout ce qui est un peu qui donne un peu à réfléchir. J'aime bien quand le spectateur peut se faire sa propre vision des choses. Vous aimez ce qui est mystérieux? Peut-être. Ouais. Docteur Philo, à l'attaque. Transition. Non. Docteur Philo. Non, mais franchement, moi allez-y. je suis un peu truc. Vous avez salué le jeune, regardez. Vous n'êtes pas comme... Il y a des rouges à lèvres là. Ah ouais. Vous êtes simple, vous êtes intelligent, puis on vous salit comme ça. Hein? C'est comme ça, là. Prenez des rouges à blanc, comme ça, là, ça va avec la couleur. Merci beaucoup, bien d'être là. Aucun détail n'est négligé dans cette émission également. C'est derrière là, j'ai pas trop confiance à ces gars-là. Moi, je vous remets ces 3 pièces de 100 francs. D'accord. Hein, vous les gardez jusqu'à la fin de l'émission. Et ces 3 pièces vont déterminer votre... part de personnalité, d'accord, à part vos personnages dans vos vidéos, à part qui partent dans tous les sens, okay. D'où votre part de responsabilité. Vous avez compris? Non. D'accord, non, vous allez comprendre. Vous les gardez. D'accord. Je ne sais pas, vous les mettez dans la poche ou bien vous... Sur la bon, vous les déposez là quand même, voilà, comme ça pour plus de sécurité. Voilà. Jusqu'à la fin de l'émission, vous allez comprendre. Je vais comprendre. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, qui est en réalité Willem? Pourquoi tous s'agglutinent autant sur ces vidéos et ces posts? Nous allons le savoir tout de suite dans la bio décalée. Très très classe. Ah ouais. Je me sens faible à côté. Merci, c'est très gentil. La bio décalée. Bonjour Willem. Bonjour. Quelque part dans la banlieue parisienne d'où vous venez, on dirait aussi. Ça dit quoi, frère? Ouais, bah on est là, tranquille. Alors, né en 1995, vous êtes d'origine guadeloupéenne. Enfant, vous étiez particulièrement suractif, si bien que
votre maître d'école, Jamal, pour calmer vos ardeurs, a dû vous imposer des poésies, vous obliger à vous représenter souvent devant vos petits camarades de classe. Mieux encore, il a même monté une troupe de théâtre rien que pour vous. Discipline que vous avez pratiquée jusqu'en terminale où vous avez décroché le bac S, c'est-à-dire scientifique. Disons que ce fut une sorte d'antichambre. Mais comment vous savez ça déjà? J'ai fait des recherches. D'accord. Alors, disons que ce fut une sorte d'antichambre, de stage préparatoire pour vous avant cette éclatante carrière digitale que vous menez aujourd'hui. Tout a commencé sur l'application Vine, où vous avez, où vous postiez à l'époque des vannes de 6 secondes minimum, partagées jusqu'au million, ce qui vous amènera à basculer sur Facebook avec des contenus beaucoup plus élaborés sur des thèmes très fédérateurs tels que l'école, l'amour, l'amitié. Je me souviens encore de cette vidéo. Comment mater une fille sans que... Ta copine te crame. Ouais. Voilà, qui a suscité un engouement en flèche, ouais, sur vos vidéos. Vous vous inspirez de films tels que How to Get Away with Murder ou Training Day pour réaliser des vidéos telles que l'art de la séduction, l'art de la tromperie. Et l'explosion est au rendez-vous. Plus de 60 millions de vues, plus de 100 000 commentaires et également plus de 200 000 partages pour certaines de vos vidéos. Le succès dépasse les frontières et vos vidéos sont partagées par 50 Cent, le rappeur américain, et même Martin Lawrence aux États-Unis. À seulement 23 ans, Willem, vous êtes devenu une grosse star de la comédie ou, je dirais, du cinéma. Presque, sur... presque 23. Sur Facebook, le roi du storytelling vidéo, le vidéaste français le plus suivi sur les réseaux sociaux. Plus de 5 millions de followers sur Facebook, s'il vous plaît. Alors, est-ce un coup du sort? Non, je ne crois pas. Car dans la bio décalée... Alors, à partir de l'identité sous laquelle vous avez souhaité être présenté, je me suis amusé avec les lettres pour en ressortir des mots-clés qui justifient votre succès. C'est assez intéressant, regardez. Willem de Thalès. On va jouer avec ça. C'est bon ? Ok, je vais retrouver les termes suivants. Un peu comme disséminé, un peu comme un puzzle. Willem de Thalès. Elle, c'est le premier terme. Le deuxième. Max, ça vous dit quelque chose ? Ouais, ça vous dit quelque chose. Le troisième. Wise, c'est en anglais. Une langue que vous pratiquez, ça signifie sage, intelligent. Ok. Et le dernier, c'est DL, qui en anglais signifie down low, c'est-à-dire secret. Elle, pour commencer. Elle vous a appris à lire et écrire avant même que vous n'entriez en CP ou en école primaire. Elle vous emmenait gamin tous les premiers dimanches du mois au musée du Louvre. Elle vous a inscrit au théâtre à l'âge de 11 ans. De là est née votre flamme pour l'écriture, la mise en scène, l'acting. Elle, c'est votre mère qui a joué un rôle important dans votre destinée. Elle a, disons, comme ouvert les portes. Elle vous a préparé pour l'avenir. Elle vous a donné une petite longueur d'avance. Nous n'attendrons pas le 8 mars, Journée internationale de la femme, pour célébrer des dames comme elle, nos sœurs, nos mères. Pour elle, je demande des applaudissements. Et puis Willem, il y a un autre elle. Les mathématiques, abrégées ici, maths. Pas de hasard, vous êtes actuellement en maîtrise de mathématiques appliquées à la finance. Eh oui. Et les maths vous aident beaucoup dans la réflexion et la construction de vos scénarios. Vous recourez souvent aux schémas, aux systèmes de corrélation, aux probabilités. Dans vos vidéos, les détails sont millimétrés. Ils sont, disons, disséminés. Vos petits films nous invitent à réfléchir, à raisonner, important en mathématiques, à résoudre des énigmes, des équations. Avec vous, Willem, le plaisir est associé à l'exercice. On est sûr de ne pas perdre notre temps sur les vidéos Internet. En effet, vous êtes un modèle de jeunes qui rendent les réseaux sociaux encore plus constructifs. Wise, sage, intelligent, ce n'est pas tout. Vous rencontrez du succès parce qu'au fond, vous êtes un garçon wise, c'est-à-dire intelligent. Et ça saute aux yeux tout de suite lorsqu'on visionne vos vidéos. L'écriture est futée, le travail est consciencieux, ingénieux. Vous avez cette méthode pour dérouler l'intrigue en nous leurrant. Et surtout, ce storytelling, cette narration brillante. Votre patience dans le travail est aussi un signe de sagesse. En moyenne, 6 vidéos, si mes calculs sont bons, 6 vidéos par an sur Facebook.
pourtant bien jeune. Vous ne faites pas partie de cette génération que nous appelons ici à Abidjan pressé, pressé. Mais finalement, vous percez, percez. Vous avez, Willem, vous avez reçu le prix d'excellence du club Efficience le 9 décembre 2017, remis même des mains de Dawala, qui est le patron du label Watibé. Et pour terminer, down low, en anglais on dit keep it down low, c'est-à-dire garde le secret. Willem, bien que vos statistiques sur Facebook donnent le tournis, exemple pour les vidéos L'Art de la tromperie, plus de 62 millions de vues, plus de 128 000 commentaires, Le Génie 2 a cumulé plus de 43 millions de vues, Le Dilemme du Prisonnier, plus de 42 millions de vues. Ce matin, je vérifiais pour sortir de la friend zone, plus de 59 millions de vues et plus de 467 000 commentaires. Oui. Alors, malgré toutes ces statistiques, je le disais affolantes, vous gardez tout de même la tête froide. Et surtout, dans une société où on s'exile de plus en plus, vous gardez le secret, le mystère. Secret sur votre vie privée, familiale, sur certains de vos projets. Ce degré de mystère se retrouve aussi dans certaines de vos vidéos. Limite, vous jouez avec. Et c'est tout ça, sûrement, qui nous excite, nous passionne. Vous avez en ce moment des rêves de science-fiction, de cinéma en tête. Oui, mais que nous réserve votre saga, votre avenir, mystère. En attendant, bravo d'avoir si jeune, déjà marqué en ce début du 21e siècle, l'histoire des vidéos d'humour sur Internet. Et surtout, merci de montrer à la banlieue, à la jeunesse, à notre génération, qu'il suffit d'oser, d'innover, de rêver pour finalement faire rêver le monde entier. Départager, on va dire, les deux talents, ou peut-être les équilibrer, parce que c'est deux talents qui sont mis en face. Donc, d'un côté ou du côté gauche, on aurait pu entendre Willem, et du côté droit, JM. Essayons de le faire, on va voir ce que ça va donner. Willem, JM, nous sommes amoureux de cette génération qui travaille, de cette génération qui innove, comme il a dit. Effectivement, vous innovez. Vous innovez tellement que vous avez réussi à briser les codes du cinéma. Je ne sais pas si c'est une volonté personnelle ou c'est par rapport à votre feeling. Qu'est-ce qui a été à la base de cette motivation? Je n'avais pas comme intention de briser les codes du cinéma, mais non, c'est vraiment ouais, du feeling, de l'instinct. C'est aussi un aboutissement d'un univers que je crée depuis longtemps, et ce côté participatif, c'est arrivé instinctivement un peu. Et à croire que vous n'êtes pas très cinéma, vous ne matez pas les films à longueur de journée, ouais, on se demande d'où est-ce que vous tirez cette inspiration? Par plusieurs choses. Elle, comme a dit JM, de ma mère, je pense. J'ai souvent dit que quand j'étais jeune, ma mère, au lieu de me raconter des histoires pour enfants, elle me racontait des films. Donc c'est vrai que j'ai vu très peu de films, mais... ma mère me l'a toujours raconté, donc il fallait que je les imagine. Et donc souvent, par exemple, Usual Suspect, un film qu'on me dit souvent que je m'en inspire, je ne l'ai jamais vu. Mm-hmm. How to Get Away with Murder, je m'en suis inspiré pour le premier épisode, mais justement, j'ai vu que les deux premiers épisodes, j'ai jamais vu la suite. J'ai pas regardé beaucoup de séries sur Netflix. Qu'est-ce qui m'inspire? Je ne sais pas. La vie quotidienne. Quand j'ai sorti la friend zone, j'avais un de mes potes qui était dans la friend zone et qui en est sorti. Et ça m'inspire. Juste comme ça, quoi. En tout cas, nous, on n'a pas envie de sortir de cette friend zone-là parce qu'on se sent bien là-dedans. On se sent bien avec vous. Alors, Willem, j'attends que vous répondiez. Willem? Oui. Non, je pense que c'est un piège. Il a peur. Non, je pense que c'est un piège. Non. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, avant de venir, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour réussir cette émission? Death Note, ça. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour réussir cette émission? Je pense vous n'avez pas de Death Note ici, là. J'ai peur. N'ayez pas peur. Je vais garder mes habits ou pas? Pardon? Je vais garder mes vêtements?
Pour l'instant, pour l'instant. Qu'est-ce que tu Vous pouvez les garder pour l'instant. Nous allons partir pour le jeu des cases. Nous avons au total 3 cases. D'accord. Vous choisissez dans l'ordre qui vous sied. D'accord. Vous avez le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Vous nous dites le chiffre qui vous convient, par lequel vous souhaiteriez commencer. Ça marche. Allez-y, je vous écoute. Ah d'accord, entre d'accord. les 3 chiffres. Alors, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Le chiffre 2. Le chiffre 2. Avec la complicité de la régie. Le chiffre 2. Le chiffre 2. Mmh. Ça vous dit quelque chose? Le chiffre 2. Le chiffre 2. Croisez les yeux fermés, c'est un signe de concentration maximale. La barbe en évidence, une boucle à l'oreille, un air de dandy qui montre que la vidéo qui va suivre risque de prendre appui sur les cendres du dilemme du prisonnier. En ce qui concerne le jour de la publication, il faut se concentrer sur le nombre de droits qui met en évidence. 4. Il y a fort à parier que la vidéo sera mise en ligne le jeudi, ou encore le vendredi, si on part pas sur la base que ce jour, lundi, n'est pas pris en compte. Mais pourquoi 2 chaînes? Peut-être pour faire une pierre de goût, 2 vidéos. C'est là que réside le secret de cette image, car n'oubliez pas, chaque détail compte. D'accord. Voilà. Il s'agit donc de cette vidéo blogueur de Stéphane, j'ai envie de dire, Stéphane Agnini. Il est avec nous. Voilà, c'est votre invité surprise. Il a commenté un indice de Willem par rapport à sa dernière vidéo. Et Willem a utilisé la vidéo pour en faire une autre vidéo. Ouais. Voilà, donc Stéphane est là. Bah, on a envie de dire bravo, hein. Vous avez fait un gros coup. Alors, Willem est à vous. Et vous allez nous expliquer comment est-ce que vous avez réussi à percer le mystère. Alors, Willem, déjà... Vous n'êtes pas intimidé, hein? Bon arrivé, pas du tout. Bon arrivé en Côte d'Ivoire. Merci. Comme on l'a dit, à quoi marche nous. Yes. Et en fait, il faut dire que j'ai découvert Willem à partir de la vidéo qui c'était, je crois, comment sortir de la friendzone. Auparavant, j'avais vu certaines vidéos, mais c'est celle-là qui m'a captivé, en fait. Voilà. Et après avoir vu cette vidéo, j'ai découvert en lui quelque chose que je ne voyais pas ailleurs. Et pour moi, la différence, arriver à faire quelque chose de différent, c'est ce qui permet à quelqu'un de se démarquer, en fait. Et à partir de cette vidéo, j'ai commencé à le suivre. Il est constant. Il ne part pas sur le nombre de vidéos, mais plutôt sur la qualité des vidéos. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui a fait que, depuis cet instant-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose en lui. Mmh. Merci. En tout cas, merci, Willem. À moi, Lydia. Merci. Ouais, en tout cas, j'avais kiffé ton commentaire. Je l'avais trouvé grave drôle et super bien construit. Et voilà. Bon, ça aurait pu être un texte d'une de mes vidéos, tu vois. Ouais. On peut y penser. Alors, il y a des détails que j'ai découverts dans tes vidéos. Mm-hmm. On va essayer d'aller très vite. D'accord, ce qui me fascine, ce sont les différentes connexions que tu arrives à créer. Mm. Alors, dans l'art de la tromperie, par exemple, on voit le titre de la vidéo précédente, en l'occurrence, le dilemme des prisonniers, écrit sur l'une des pages du livre qu'un personnage tient, Andrea. Et plus loin, dans l'art de la tromperie 2, oui, l'art de la tromperie 2, non, plutôt, le dilemme du prisonnier. Mm. Non, pas le dilemme du prisonnier. Vous perdez un peu, bien. Bon, ça ira. Le dilemme du prisonnier. Mm-hmm. C'est l'effet caméra. Comment sortir? Non, en fait, la vidéo me fascine tellement. Comment sortir de la friendzone? Ouais. Exactement. Sur cette vidéo-là. Et en fait, quand le professeur se présente, il dit son nom, Guillaume Détales. Mm. Et après, il y a des indications qu'il met au tableau. Les différentes étapes à suivre pour sortir de la friendzone. Ouais. Et là, il y a des lettres qui sont en majuscules. Quand on remet ces lettres en note, on trouve un élément qui donne détail, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est... Stéphane. C'est un coup de maître. On sait que vous êtes un mordu de cet art, mais si on vous laisse, on va pas terminer l'émission. Il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses à présenter. Et félicitations à vous aussi. Ça fait vraiment plaisir. Je suppose que ça vous fait toujours du bien de voir des personnes qui arrivent quand même à déceler les différents indices. C'est pas évident. Merci, Steph. Alors... On continue. Le chiffre. On a choisi le 2. 3. Le 3, d'accord. Toujours dans la même. Ben. Voilà. Giza Sonia d'amour. Yeah, je me souviens de ça. Vous en souvenez ou pas? Ouais, mais pourquoi 3? Pardon?
Pourquoi 3? J'ai compris pour le 2. Oui. 2 vidéos, mais ça la 3, pourquoi? Bah, parce que chaque détail compte ici. Chaque détail compte. Bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse. Merci beaucoup, merci donc de recevoir notre invitée. Eh bien, elle est avec nous, Sonia Guizot. Wow. Sonia Guizot, blogueuse cinéma, meilleure blogueuse Côte d'Ivoire 2016. Merci de l'applaudir très très fort. Il faut dire que vous avez produit quelque chose de très efficace. Je vous laisse vous exprimer. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors, je suis Sonia Guiza, je suis blogueuse cinéma, meilleure blogueuse de Côte d'Ivoire 2016. Alors, en fait, je t'ai découvert en 2015 parce que, en fait, j'étais spécialisée en ce temps-là sur le cinéma ivoirien. Mm. Mais je commençais à m'ennuyer un tout petit peu. Donc, j'ai décidé de voir les vidéos sur la toile. Non, c'est pas méchant. Donc, j'ai décidé d'aller voir les vidéos sur la toile. Et genre, je t'ai découvert et c'était la vidéo « Comment avoir le numéro d'une fille en quelques secondes ». Donc, je reste sur ton mur. Après, ça devient du comique. Je dis « Bon, déjà vu, je zappe ». Je reviens lorsque tu fais le remake du hold-up de Kim Kardashian. Wow. Mais je m'abonne vraiment lorsque tu fais ta vidéo. Qu'est-ce que vous aurez fait après l'épisode de Théo? Là, je me suis dit, ce mec, il s'engage. Un peu comme Denzel Washington, que tu aimes bien. C'est-à-dire, à travers son art, il prend des positions, mais sans forcément crier « ouais, je veux ». Ouais. Alors, franchement, cette vidéo, j'ai adoré. Du coup, moi, je me suis abonnée. J'ai commencé à parier sur le pigeon. Et j'ai dit à un ami que tu me faisais penser au personnage de Death Note. Et magie, tu passes dans le clic. Et tu t'identifies au personnage. Du coup, j'ai un ami qui me dit, je lui dis, je suis persuadée qu'il fera une vidéo sur Death Note. Il dit, s'il le fait vraiment, je te fais ton Death Note. Donc, lourd. J'ai mon Death Note. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré le message à travers Death Note. Il est vraiment fort. Cette vidéo qui nous parle, elle est très, très édifiante. Une façon de dire, une façon subtile de dire, franchement, le diable, c'est un menteur. Mais bon, chacun comprend comme il le veut. Hein. Merci beaucoup. Et moi, quand je vous écoute, je me dis, à cette allure-là, ce jeune homme risque d'être étudié dans les universités. Mais grave. Franchement. Mais moi, j'ai une question. Très rapidement. You have to be what? Si tu sais à quoi ça te... You have to be what? You have to be twice, man. Tu dois, en français, tu dois être deux fois meilleur qu'eux pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Et d'où ça vient? Ça vient de quel... Ça vient de scandale. Le père d'Olivia Pope. C'est bien, il connaît ses coups. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. Et voilà, belle ambiance dans ce studio avec Willem. On se retrouve dans quelques petits instants, juste après la pub, pour la deuxième partie de cette émission. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour Korogo. Sous le patronage de son Excellence Monsieur Amadou Gan Coulibaly, Premier ministre, maire de Korogo, sous le parrainage de Monsieur Lassina Ouattara, chargé de mission à la présidence, la RTI organise Bonjour Korogo. Le samedi 3 mars 2018 à 20h au stade de Korogo avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Korogo. Bonjour, un concept RTI. C'est midi avec Willem, on va dire ce jeune homme, enfin on a quand même trop utilisé ce jeune homme, hein. c'est juste un réalisateur, voilà, un réalisateur et acteur qui fait des courts-métrages sur Facebook, des courts-métrages qui font couler beaucoup, beaucoup d'encre. C'est pas encore terminé, Willem, nous avons une dernière vidéo à vous présenter, toujours dans le jeu des cases, avec votre permission, on y va. Willem, mon frère d'amour, que j'aime de tout mon cœur. Je te laisse ce petit message avec beaucoup d'émotion pour te dire que je suis fière de toi, que je suis très fière de toi même. Qu'on est fière de toi, je pense que tu le sais parce qu'on te l'a déjà dit, mais on va te le redire 150 000 fois parce que voilà, tu nous inspires, tu inspires tout le monde à réaliser ses rêves. T'es incroyable, voilà. Et je sais que tu sais que je pèse mes mots quand je dis que t'es incroyable parce que t'es plus que ça. Je me rappelle encore quand t'as commencé sur Vine et que t'étais content de faire 1000 vues.
Voilà. Et là, regarde où t'en es. C'est incroyable. T'es en Côte d'Ivoire. T'es sur la terre mère. T'es en Afrique pour la première fois. Donc, je pense que déjà, ça doit te faire un truc de fou. Et voilà. Vraiment, c'est... je suis trop contente. Je suis trop contente pour toi. Je t'envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Voilà. T'es toute ma vie. Hein. T'es mon frère. Donc, voilà. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Je serai toujours là pour toi. De toute façon, tu le sais déjà. Et tu vois? Dès que je t'ai fait des gros bisous. Qu'est-ce qu'elle est belle et coquine, sœur de Willem, Ashley. Ouais. Ça vous fait quoi là? Je suis un peu ému. ouais. Ouais. Non, mais oui, elle, dans elle, on aurait pu aussi citer ma sœur, qui est toute ma vie avec ma mère, beaucoup inspirée. C'est ma grande sœur, donc c'est aussi mon modèle, celle qui m'a appris à compter. Donc aujourd'hui, je fais des maths. C'est sûrement grâce à elles. Voilà. Finalement, elles sont nombreuses. Et elles sont nombreuses. On a eu raison de les célébrer avant le 8 mars. Ah, c'est super plaisir. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Merci beaucoup, William. Et tout de suite, nous allons partir pour une autre chronique. Chercher à savoir vos rapports avec la mode. C'est dans le dressing room avec Marie-Paul Adjé. Je suis Marie-Paul Adjé. Alors ici, on est un petit peu dans un tribunal, on va dire, on va faire comme. D'accord. Donc vous allez prêter serment, je suis le juge. Je vais vous demander de lever la main droite, s'il vous plaît. Lève la main droite. Et de dire après moi, moi Willem. Moi Willem. Je jure d'aimer la mode et ses codes. Je jure d'aimer la mode et ses codes. Je jure d'aimer la mode et ses codes. Maintenant. Et pour toujours. Et pour toujours. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Votre sœur Ashley m'a dit que vous choisissez soigneusement toutes vos tenues. C'est vrai? Soigneusement, non. Mais juste que je me sens pas très fort dans ça, donc j'essaie de faire des efforts. Mais c'est une lacune forte. Regarde comment je suis sapée. Mais vous êtes très bien habillée. Ah, elle m'a aussi dit que vous avez l'habitude de lui piquer ses produits de beauté. Waouh, ok. Non, mais je peux tout vous expliquer. Non. Non. Non, mais c'est surtout pour les cheveux. Les cheveux, pour pas avoir les cheveux trop secs. Les shampoings. Voilà. C'est parce que j'en achète pas, quoi. C'est pour ça. Alors, dans vos différents films, vous avez trois grandes thématiques. Mm-hmm. Donc, les flics, les femmes et les potes. C'est bien cela. Est-ce qu'un jour, on retrouvera la mode? La mode? La mode. Peut-être. Peut-être. Peut-être avec Kim Kardashian. Ah oui, pourquoi pas. Alors, dites-moi, quel est l'accessoire de mode ou bien la pièce de mode que jamais vous ne mettrez? Jamais. Jamais. Ah, plein de choses. Hein. J'aime pas trop les pantalons sautés. J'aime bien le tien, mais... Chacun son choix. Ouais, chacun son choix. Chacun son feeling. J'aime pas trop les pantalons sautés. Après, j'aime pas trop les chaussures pointues. Ça m'est arrivé d'en mettre peu de temps, mais chaussures pointues, ça n'a jamais été mon fort. D'accord. Alors, Willem, vous avez réinventé un cinéma participatif où le public est autant acteur que co-acteur. Laissez-moi. Alors, d'habitude, vous faites des films, nous, on regarde. Aujourd'hui, je vous pose ça là. Vous allez regarder cette vidéo, il y a des indices et vous allez devoir trouver quelqu'un. Okay. Je n'en dirai pas plus. Avec la participation de la régie, la vidéo... Mon nom est la vie du futur. Ne cherchez pas à savoir qui je suis. Vous êtes ici pour résoudre une énigme et elle est très très simple. Sur le plateau de ce midi se cache un styliste de renom. Vous devez le trouver et par la suite gagner une pièce de sa collection. C'est aussi simple que ça. Les indices majeurs sont dans cette vidéo. Mais comme je suis gentille, je vais vous donner une petite piste. Aimez-vous ma couleur de peau? Cherchez-le, William. Trouvez-le et gagnez. Je sais que vous en êtes capable. C'est parti, vous avez 2 minutes. Et surtout, n'oubliez pas, chaque détail compte. Bravo. Alors, à vous de jouer, bravo Willem. À Marie-Paul et on attend. À vous de jouer. Willem. Dans le public. Aussi facilement, même pas une seconde.
Non, mais c'est trop facile, attends. Mais facile. Ah, non, non, je crois qu'il nous explique, attends. Je vous explique. Non. Je vous explique. Moustapha, non, t'étais bien caché pourtant. Moi. Oh, en fait, on a fait exprès, il y a deux personnes avec la même tenue. Ouais. Donc je pense qu'il y en a un qui est quelque part là. Où est-il? Ah. Merci beaucoup. Donc il lui offre sa tenue. Franchement, moi, je suis bluffée là parce que je comptais inviter sur mon plateau un être humain, pourtant c'est un extraterrestre que j'ai sur mon plateau. Merci beaucoup, très jolie. Belle chemise. Merci beaucoup. Très jolie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais mettre ce soir, j'ai une petite soirée. Je vais mettre ce soir. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup, Moustapha. Ce sera tout pour le dressing room. Merci, Willem, de vous être prêté aux autres. J'ai trouvé trop vite. Elle vous plaît? Ouais, très très jolie. C'est super. J'ai trouvé trop vite, j'ai pas. La rose, c'est pour appeler les roses qui sont dans la tenue. Exactement. N'oublie pas, chaque détail compte. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et tout de suite, nous allons partir pour la capsule de la famille Juju. C'est parti. Oh, j'adore ta barrette, c'est magnifique. Moi, j'aime les émiettes de ces bites. Surtout quand Stromae est venu. Oui, il a même pleuré sur le plateau. Ah oui, Se promener avec les enfants, là, c'est compliqué. Vous êtes toujours dans les hommes. Et l'émission de ces midis qui parle. Bon, lorsqu'on parle de grands moments de télévision, c'est avec Alpha Blondie. Ah ouais. Toi, tu dis quoi, même? Tu n'as pas suivi l'émission à Drogba? C'était le best. On savait que Drogba, c'était le best. C'est vrai. Vous parlez de tout cela. Et la star des stars, elle a eu plus de vues sur YouTube. Et Doxy Yao. Et Margot Boubara. Ah ouais. Ah, bon, ça de la Aïe. Ça va. Ouais. Oh, laisse ça là. Aïe. Non, mais en fait, tu dis quoi? Non, mais calme-toi. Ça. Non, laisse ça. C'est quoi? C'est mon gars. C'est mon gars aussi. J'ai vu que je vais voir de la famille. Attends, cette histoire des carreaux là est si pratique dans la famille. Ça. Les filles, ça va? Ça va ici? Ouais, ça va? Ça va? Hey, tu es dans la rétro. Ça va, voilà. Voilà, je vous présente tout de suite. Voilà, ça c'est mon ami. Lui, il ne vit pas ici, il vient de Paris. Hé. Quand on arrive chez les gens, surtout que tu as un invité là, tu lui donnes à soi d'abord. Tu n'es pas chez toi, tu fais. Mais c'est moi-même ici assis. C'est à vous de vous lever. Voilà. Les filles, je vous présente monsieur Fongbang Grégoire. Voilà, c'est pas Grégoire, c'est pas votre Grégoire voleur là. Grégoire, c'est un grand journaliste international. Il vit à Paris et il est venu pour interviewer Marie-Paul. Il est venu de Paris. Bravo. Allez, faites votre travail. Grégoire. Bonjour, voilà. Marie-Paul. Vous êtes très, très connue en Europe. Depuis quand avez-vous commencé la mode? Alors, excusez-moi. Écoute, c'est la radio, c'est pas la télévision. Vas-y. Bon, j'ai commencé... Bon, ça dépend. Il faut préciser, c'est pas la mode, c'est la mode du futur. Tu vois mes frères? Ils sont tous assis là. Il y a Brimbré à côté et puis ils ne voient pas. Ils sont assis avec un blanc. Moi, Grégoire, je dois prendre ça là. Ce Brimbré là, je dois prendre ça. Mais il y a un problème. Parce que la famille me connaît. Et si je me fais attraper, on n'a pas besoin d'être génie pour savoir ce qui va se passer. Je vois mon frère Al-Wissen dit : toi, Grégoire, tu ne changeras jamais un véritable voleur. Adjoa et Marie-Ange diront : Grégoire, c'est la honte de la famille du tout. C'est mon honneur qui est en jeu. Dès que je suis là-bas, et les gars, c'est comment? Et il fait chaud, hein, c'est comment? Puis là, je sais qu'au même moment, je vais changer leur idée. Et à travers leur idée, moi, je rentre en position. Hé les gars, ça va? Pas trop chaud, j'espère. C'est bon? C'est bon ici? Ça va, merci. C'est bon ici? Très bien, très bien. C'est qui ce mec? C'est mon grand frère. Faites attention. Plus voleur que lui, tu meurs. Marie-Ange, faut te méfier. Toi, t'as savoir que moi, je suis aussi tapasseux. Touche à Marie-Ange, tu vas nous frapper, nous tous ici. Nous tous, tu vas nous frapper. C'est que tu vas nous tabasser aussi. Tu as vu, maintenant, du gars, même blanc, même vert, t'es garé dans ton propre pays. Ça, c'est caté, hein. Jusqu'un blanc pâle dedans. Oh, ça, s'il fait rien, ils vont me frapper ici. Bon, ok. Si celui-là est là, c'est qu'il va parler de Caroline. Ah, s'il parle de Caroline, ils vont les chasser. Ah, s'ils l'ont chassé, tout de suite, moi, ça m'arrange. Qui fait l'opération. Mais s'il peut avoir un miracle, ça allait me faire plaisir. Il veut juste être gentil, c'est tout. Non, attends, c'est ton aigle qui nous avait sauté comme ça, quoi. Et les 300 francs qui étaient ici, là, qui a pris? Attends. C'est qui s'en va là-bas, là? Tu le connais? Aïe.
Là, j'ai envie de dire, c'est trop facile. On sait qui a volé les 300 francs. C'est pas Willem. Ah bah si. On a vu qui a donné les 300 francs à Willem. C'est lui. Donc. C'est bon. Bon, moi, je viens dans le public, c'est bon. Merci beaucoup. Malheureusement, 50 minutes, ça passe très vite. Et puis, on ne va pas terminer sans faire le quiz à ces midi. Qui est l'invité spécial de ce vendredi? Réponse A, Willem. Réponse B, Edith Brou. Envoie A ou B au 98-133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Je vous l'ai dit, c'est une réalité. Toutes les semaines, nous faisons gagner donc 200 000 francs à ceux qui ont le courage et l'audace de jouer. Et bien sûr, nous faisons aussi gagner des invités spéciaux tous les vendredis, comme Willem. Willem, merci encore d'être venu. Merci. L'aventure se termine ici. D'accord. Si vous avez un petit mot à dire à votre charmant public, aux téléspectateurs. Oui, je pense que je peux annoncer chaque détail avec tour. En fait... je vais faire un événement spécial, mercredi 7 mars, à Abidjan, pour la première fois. Et voilà, je vous en dis pas plus. Un événement qui s'intitule ? Chaque détail tour. Chaque détail tour. Voilà. D'accord, ça marche. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous et merci aussi à Dicom Days qui m'a fait venir à Abidjan. D'accord. Merci beaucoup. Et ça se passe bien ? Ça se passe bien, oui. Vous avez mangé de la loco ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis dame. Pas encore. Pas encore. Il faut. Mais où ? Plakali, Foutou. Où ? Faut que j'aille où ? Plakali, il connaît Plakali. Pas. Plakali ? Non, pas encore. C'est du semoule de manioc. Oui, du okay. Ah, ah, du gamba. C'est très bon. Ah, avec de la sauce Kloala, franchement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivi l'émission. Nous étions donc avec Willem. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi pour un autre numéro et une autre aventure de ce midi. Au revoir.